Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc aujourd'hui les enfants, donc nous sommes à la page numéro 10. Comment on dit 10 en arabe? Très bien. Ashra. Répétez Ashra. Qui sait compter jusqu'à 10? Oui, Zahra. Donc on répète. Wahid. Isnani. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. D'accord les enfants? Donc aujourd'hui on va parler de la shahada. Répétez ash-shahada. Donc déjà, pour être musulman, qu'est-ce qu'il faut faire pour être musulman? Comment on doit faire pour être musulman? Hassan. Alors, il faut prier 5 fois par jour. Très très bien, mais avant la prière, il y a quelque chose que l'on doit faire pour qu'Allah il accepte notre prière. Oui. Très bien, on fait les ablutions, mais avant tout ça. Parce que si quelqu'un qui adore les statues, il fait ses ablutions et il fait ses 5 prières par jour, est-ce qu'il pourra aller au paradis? Non. Bah pourquoi il a fait sa prière? Parce qu'il a fait pour les statues. Parce que lui, il adore les statues. Et comme il adore les statues, ben tout ce qu'il va faire, même si c'est pour Allah, et ben Allah il ne va pas l'accepter. Parce que pour qu'Allah il accepte ta prière, il faut que tu dises et que tu appliques la shahada. Que tu dises la ilaha illallah. Si quelqu'un qui adore des statues, ou qui adore des animaux, ou qui adore autre qu'Allah, si il rentre à la mosquée et il dit, moi je veux devenir musulman, comment il doit faire? Est-ce qu'on lui dit, ah non, toi t'as adoré des statues, tu restes dans l'église ou dans le temple, ou tu restes... Est-ce qu'on lui dit qu'il sort de la mosquée, ou est-ce qu'on l'accueille à bras ouverts dans la mosquée, et qu'est-ce qu'on va lui dire, Hamza? Alors on l'accueille déjà, c'est très bien. On l'accueille, tout le monde y peut rentrer dans la mosquée. Nous, on accueille tout le monde avec le sourire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui dit, Hassan? On lui dit, s'il veut devenir musulman, tu lui dis, tout d'abord, aimer Yarabbi. Très, très bien. Donc, s'il veut devenir musulman, on lui dit que c'est très, très simple de devenir musulman. Il faut que tu adores Allah. 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 Et il faut que tout ce que tu vas faire dans ton cœur, c'est simplement pour Allah. Et ensuite, il va falloir que tu obéis à Allah. Et tu vas accepter que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal.
C'est-à-dire que il faut qu'il arrête tout de suite d'adorer autre qu'Allah. Et il faut qu'il accepte qu'à présent, il va adorer seulement Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, on lui dit, est-ce que tu acceptes d'adorer Allah? S'il dit oui, on lui dit, est-ce que tu acceptes d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, sans rien adorer avec Allah? S'il dit oui, eh bien, on lui dit de répéter, Ash'hadu. Ça veut dire j'atteste, je témoigne, je dis, je certifie, je suis sûr. Qu'est-ce qu'on témoigne? Qu'est-ce qu'on atteste? La ilaha. Faites comme, faites non avec la tête et avec le doigt comme ça. La ilaha. Répétez. La ilaha. Pourquoi on dit non quand on dit la ilaha? Pourquoi on dit non? Parce que quand on dit la ilaha, c'est une négation. C'est-à-dire, on n'adore personne. On refuse toute l'adoration. Mais est-ce que ça suffit de dire ça? On doit dire oui avec la tête. Illallah. Pourquoi on dit oui quand on dit illallah? Parce que c'est une affirmation. On n'adore personne sauf Allah. On n'adore pas les statues, on n'adore pas les vaches, on n'adore pas les singes, on n'adore pas les étoiles, on n'adore pas les arbres, on n'adore que Allah. Donc répétez, la ilaha illallah. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on dit la ilaha? En même temps avec notre tête, qu'est-ce qu'on dit? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'adore personne illallah sauf Allah. Est-ce que c'est compris, les enfants? Donc, quand tu dis la ilaha illallah, tu dois respecter ces deux points. Premièrement, je n'adore personne, sauf Allah. Donc, c'est une négation et une affirmation. On dit non et après on dit oui. On dit non et après on dit oui. Donc, on dit la ilaha et ensuite on dit illallah. Est-ce que c'est compris, les enfants? Est-ce que c'est compris pour la ilaha illallah? Donc, qui peut me dire à quel moment on dit non? Au début. Oui, Hassan? Quand on dit la ilaha. Et pourquoi on dit non quand on dit la ilaha? Très, très bien, Hassan. Ça veut dire qu'on adore personne. Parmi tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, on adore personne. Mais est-ce que ça suffit de dire que la ilaha? Est-ce que je peux m'arrêter là? Non, je suis obligé de dire illallah. Et qu'est-ce que je dis quand je dis illallah? On dit oui. Pourquoi on dit oui? C'est-à-dire que seul Allah mérite d'être adoré. On va adorer que Allah. On va faire la prière pour Allah. On va jeûner pour Allah. On va nourrir les pauvres pour Allah. On va donner à manger à ceux qui en ont besoin pour Allah. On va habiller ceux qui en ont besoin pour Allah. On va obéir à notre papa pour Allah. On obéit à notre maman pour Allah. Et aussi, on aime Allah. On place notre confiance en Allah. On fait des doigts pour Allah. On demande tout ce que l'on veut à Allah. On est soumis totalement à Allah. On obéit à. Et on sait aussi que qu'est-ce qui nous surveille, Allah. Qui nous voit, Allah. Qui entend ce que l'on dit, Allah. Qui sait ce que l'on fait, Allah. Qui contrôle tout, Allah. Qui gère tout, Allah. Qui surveille tout, Allah. Qui fait tout, Allah. Qui entend tout, Allah. Qui sait tout, Allah. Qui contrôle tout, Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qui nous guérit? Allah. Qui nous donne la vie? Allah. Et qui nous donne la mort? Allah. Qui nous donne la santé? Allah. Et qui nous donne la maladie? Allah. Qui nous guérit? Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui fait ce qu'il veut. Quand on est malade, c'est Allah qui l'a décidé. Et quand il nous guérit, c'est Allah qui l'a décidé. D'accord les enfants? Est-ce que c'est compris pour la ilaha illallah?
Répétez, la ilaha illallah. La ilaha illallah.